assez parlé du père. Comme je vous l'ai dit, effectivement, dans cette rentrée littéraire, la famille, la mère, le père, c'est vraiment... en tout cas, moi, dans ce que j'ai choisi, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Là, maintenant, je voudrais m'appuyer sur le point commun, le fil commun que j'ai trouvé, le fil conducteur que j'ai trouvé, c'est passé justement sur le roman vrai. On l'abordait avec Éric Fotorino, dans Mohican, avec les connaissances qu'il a de ce milieu paysan. Note sur le chagrin, ce n'est pas un roman, c'est vraiment un récit poignant. Et là, je vais revenir quand même à la fiction, enfin bon, si on fait comme avec un roman vrai, avec le roman de Mathieu Palin. Voilà, à l'iconoclaste. Ah, trois de l'iconoclaste, youpi. Qui s'appelle Ne t'arrête pas de courir. Voilà. C'est le deuxième livre de Mathieu Palin. C'est le deuxième livre de Mathieu Palin, édité toujours à l'iconoclaste. Son précédent s'appelait Sale Gosse, qui était aussi un roman vrai, qui était un roman aussi très ancré dans la réalité, puisque lui-même est allé vivre dans ces institutions où on rencontre ces jeunes enfants en difficulté. Et il avait fait le sujet de son précédent roman. Et là, pareil, ne t'arrête pas de courir. Donc le narrateur, c'est Mathieu Palin. Il a été interpellé un jour par un reportage, un article d'un journaliste qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est en prison, et la façon dont l'histoire est traitée ne lui plaît pas du tout à Mathieu Palin, et il dit il y a quelque chose qui manque, il y a un aspect de cette histoire qui manque. Alors qu'est-ce que fait Mathieu Palin? Eh bien, il décide d'écrire à ce prisonnier pour lui demander de pouvoir le rencontrer. Et puis, il n'a pas de réponse. Et un jour, il reçoit une réponse de ce prisonnier qui lui dit « D'accord, ok, on va se rencontrer. Vous demandez un parloir et on va pouvoir échanger. » Et Mathieu Palin accepte. Va à ce parloir, fait la queue déjà avec les autres familles des prisonniers, et va aller rencontrer ce prisonnier. Et ce prisonnier, c'est Toumani Coulibaly. Toumani Coulibaly, peut-être que ça vous parle, c'est une ancienne étoile de l'athlétisme français qui a remporté des victoires, qui a gagné des médailles, des médailles d'or, ou même j'étais des champions, je crois, je ne sais plus lequel, en athlétisme en course. Enfin, c'était un champion, c'était un sportif de haut niveau, sauf qu'il était sprinteur le jour et cambrioleur la nuit. Bon, vous me direz, ça peut servir de courir vite quand on est cambrioleur et qu'on doit échapper à la police. Il le raconte d'ailleurs. Et donc, il va rencontrer Toumani Coulibaly. Et au fur et à mesure de leurs échanges, Toumani Coulibaly, je vais dire Coulibaly parce que c'est compliqué, donc va lui raconter son histoire et va lui expliquer pourquoi il en est là et surtout pourquoi il récidive. Parce que c'est quand même sa 14e ou sa 15e arrestation. Enfin, c'est assez incroyable. Comment ça se fait que ce jeune homme-là, plein de talent, avec les capacités qu'il a de devenir ce sportif de haut niveau sur lequel il s'est engagé, soutenu par des gens qui vont l'accompagner, qui vont l'aider dans toute sa vie, qui vont lui dire « Allez, vas-y, tu peux être autre chose que ce que tu penses pouvoir être. » Et bien finalement, non, il continue. Il continue, c'est une véritable, il va le dire, c'est une véritable addiction. Il va continuer à aller braquer des boutiques de téléphonie, des banques, des distributeurs de billets, se faire arrêter, et au bout de la 14e fois, eh ben, il va se payer une longue peine parce que récidive. Il n'y aura jamais de violence humaine, il va jamais blesser quelqu'un, mais au bout d'un moment, effectivement, il va être mis en prison. Et sa carrière va s'arrêter.
Voilà, donc qu'est-ce qu'il pousse à faire ça? Donc c'est le premier questionnement de Mathieu Pallas. Et puis pour Mathieu Pallas, lui, il se sent légitime d'interviewer Coulibaly parce qu'en fait, ils ont beaucoup de points communs. Ils sont à peu près du même âge. Ils ont tous les deux grandi en banlieue parisienne. Ils sont tous les deux férus de sport. Ils aiment beaucoup le sport à haut niveau. Et puis, au fur et à mesure, Thomas Pallas, Mathieu Pallas, oui, c'est un beau lapsus, parce qu'effectivement, Mathieu Pallas va comprendre la raison supplémentaire qui va faire, qui va s'intéresser autant à l'histoire de Coulibaly. Je vous laisserai découvrir. Sinon, c'est pas drôle. N'empêche que c'est un roman qui est construit comme le coureur qu'est Coulibaly, comme une course-poursuite, donc effectivement, où les deux personnages vont se courir après pour pouvoir se raconter. Ils vont développer une profonde amitié, un profond respect l'un envers l'autre. Ça va leur permettre de comprendre ce qu'ils sont devenus, enfin, les hommes qu'ils sont devenus. Donc c'est vraiment typiquement un roman vrai. Hein, Mathieu Pallas dit n'en a rien inventé hein, dans cette histoire-là. C'est un livre miroir. D'ailleurs, Coulibaly l'a lu. Hein, il a vraiment lu et approuvé. Et en filigrane, peut-être que la question essentielle, ça serait, qu'est-ce qui fait que certains s'en sortent dans la vie et pas d'autres? Voilà, on va peut-être essayer de trouver des éléments d'explication dans cette double confession. Voilà, donc ça parle d'amitié, d'enfermement et de liberté. T'arrêtes pas de courir, Mathieu Pallas. Une autre jolie plume française, hein, dans un style complètement différent. Alors là, on va changer de genre complètement. Je vais vous faire un grand écart. Avec le dernier livre de David Diop. La porte du voyage sans retour. Est-ce que vous aviez lu Frères d'âme? Oui. Ouais. Oui. Voilà. Goncourt des lycées en 2018. Hein. Dans Frères d'âme, il y avait une écriture qui était assez hachée, assez hallucinée. Hein. C'était un roman hallucinatoire, enfin, sur ce soldat noir pendant la Première Guerre, hein, qui entend les âmes de ses frères morts. Et là, David Diop, je vous fais faire un grand écart, mais là aussi, il nous fait faire, lui-même, nous fait faire un grand écart. C'est un roman historique. Donc ça, vous pouvez le conseiller à tous les gens, à tous vos amateurs de romans historiques. C'est donc le troisième roman de David Diop. David Diop, il est né en 1966 au Sénégal, et il est aujourd'hui maître de conférence à l'université de Pau. Et donc là, on le rencontre dans ce roman historique, hein, où il va s'inspirer d'un personnage donc, qui a réellement existé, qui s'appelle Michel Adanson, qui était un naturaliste français et qui a vécu de 1727 à 1806. Michel Adanson, à 23 ans, il va quitter Paris pour l'île Saint-Louis du Sénégal pour faire étudier la flore locale et pour se faire un nom dans la science botanique de l'époque. Et il va faire de ce voyage un sujet de carnet qu'il va tenir régulièrement et qu'il va rédiger et cacher, enfin qu'il va rédiger et qu'il va cacher. Et dans le roman, le point de départ donc du romancier, c'est effectivement ces carnets d'Adanson cachés et retrouvés par sa fille Aglaé. La fille d'Adanson, elle a réellement existé aussi. Hein. Et ces carnets cachés vont permettre à Aglaé de découvrir l'histoire de son père lors de ce voyage au Sénégal.
C'est aussi un roman sur la transmission. Hein. Ça aussi, hein, transmission, c'est un mot qu'on retrouve hein, dans les autres romans dont je vous ai parlé. Il ne s'agit pas de te lester d'une partie de mon sentiment de culpabilité, mais de te laisser connaître l'homme que je suis. Quel autre héritage est-il à leur vie peuvent attendre les enfants de leurs parents? C'est du moins le seul qui me paraît avoir de la valeur. Au moment où j'écris ces lignes, je t'avoue ma crainte de me mettre à nu devant toi. Non pas que j'ai peur que tu te moques de moi comme l'a fait Cham de son père Noé lorsqu'il l'a surpris endormi au sol, étalant aux yeux de ses enfants sa nudité après une nuit de beuverie. Je redoute seulement que, fille de ton temps, prisonnière des aléas de la vie, aussi insensible aux autres que j'ai pu l'être en partie de mon existence, tu ne retrouves jamais mes cahiers secrets. Je crains ton indifférence. Heureusement, Aglaé a retrouvé les cahiers. Donc heureusement, on va lire ce livre. Donc ce livre, c'est son histoire. Il part donc tout jeune faire ce voyage de découverte de tout botaniste qu'il est. Et on est à l'époque où il y avait la traite des Noirs. Et les Africains partaient de l'île de Gorée. Et l'île de Gorée avait un surnom. Son surnom, c'était la porte du voyage sans retour. Dans ce contexte historique-là, notre tout jeune Adanson, Michel Adanson, entend une histoire, l'histoire de Maram, qui serait une jeune, toute jeune fille qui aurait réussi à revenir de la porte du voyage sans retour. Ça, c'est une chose qui est absolument incroyable, ou impossible, incroyable. Et il va donc utiliser ce voyage pour aller, enfin son voyage de botaniste, pour aller à la recherche de Maram. Il va traverser cette terre sénégalaise et dans son voyage, l'accompagne un tout jeune prince sénégalais qui s'appelle Ndiak, avec qui il va développer tout au long des péripéties qu'ils vont traverser, parce que Dieu sait s'ils vont traverser, il va développer avec lui une réelle amitié. Il va aussi s'attacher à apprendre la langue, le Wolof, pour pouvoir communiquer avec les gens. Parce qu'il dit que c'est dans la langue qu'il va pouvoir comprendre et découvrir la flore, mais aussi qu'il va pouvoir comprendre et découvrir les hommes qui sont autour de lui. Donc il part sur la trace de Maram, hein, et il va la retrouver. Il va la retrouver et Maram va lui raconter son histoire. Va se lier entre les deux une histoire, enfin des sentiments au fur et à mesure que Maram va se raconter à Michel et il va y avoir des sentiments et Michel va se penser, se croire profondément amoureux de Maram et que cette histoire d'amour pourra être réciproque. Sauf que Maram, elle est noire, elle est sénégalaise et elle est destinée à être esclave. En plus d'un roman historique, hein, c'est aussi un très beau roman d'amour. Donc c'est pareil, vous pouvez le donner à lire à plein de personnes. C'est très abordable, c'est, je pense, plus facile à lire que Frères d'âme. Donc je pense qu'il sera beaucoup plus abordable hein, que son précédent. Peut-être qu'après, justement, ça sera l'occasion de revenir sur ce texte sublime qu'est Frère d'âme. Donc je disais que Michel Adanson avait véritablement existé. Je suis même allée voir le château que sa fille a occupé. Il existe vraiment. Hein, elle a dans la lignée de son père, créé tout autour de ce château un véritable jardin. Hein. Et où on trouve des arbres et des essences assez remarquables, c'est le château de Baleine qui est dans l'Allier, à Villeneuve-sur-Allier. Voilà. C'est donc, si je dois résumer, un roman historique, un roman d'amour, et c'est aussi un roman, donc, comme je vous le disais, sur la transmission. La transmission donc, entre son père et ce père et cette fille, parce que Michel Adanson, lui, a négligé sa propre fille hein, pour pouvoir assumer sa,
sa passion folle qui était la création de cette flore extraordinaire à l'époque. Diop, il appuie son roman sur une écriture qui est très, très fine, on retrouve la qualité d'écriture du 18e. Ça peut presque être étonnant à l'époque de lire cette langue-là dans ce livre-là. Alors, je vais terminer avec deux titres. On revient chez Gallimard avec François-Henri Désérable, qui va avoir le grand prix du roman de l'Académie française, avec celui-ci qui s'appelle « Mon maître et mon vainqueur ». C'est aussi toute jeune plume française que moi je surveille depuis aussi le début, hein, depuis surtout Évariste et un certain Monsieur Piquenny. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dans un certain Monsieur Piquenny, en fait, François-Henri Désérable se questionne sur l'importance de ces personnages de fiction qui sont tellement bien écrits, qui pourraient être presque réels. Piquenny, Monsieur Piquenny, c'est un personnage qui apparaît dans La promesse de l'aube de Romain Gary. Voilà. Donc le questionnement dans un certain Monsieur Piquenny, c'est effectivement de voir cette puissance qu'a la fiction. Dans celui-ci, François-Henri Désérable va aussi nous parler d'un autre genre. Enfin, dans un certain Monsieur Piquenny, il nous parlait de la fiction. Et là, enfin, du genre littéraire qu'est la fiction. Et là, dans celui-ci, il va nous parler d'un autre genre littéraire qu'est la poésie. Mon maître et mon vainqueur. Mon maître et mon vainqueur, c'est un poème, c'est tiré d'un poème. Hop, bien. De Paul Verlaine. Est-il sensible au moqueur, ton cœur? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Paul Verlaine. Donc si l'épigraphe est censée donner le ton du livre, on imagine bien que François-Henri Désérable va nous parler de poésie. Et il trouve pour ça un biais assez drôle, puisque le roman commence, on est dans le bureau du juge, et le narrateur est sollicité par celui-ci pour lui expliquer le contenu du cahier de poèmes écrit par son ami Vasco, qui est placé en détention. Qu'est-ce que peuvent bien dire, qu'est-ce que peuvent bien dévoiler tous ces poèmes écrits par Vasco? Vasco a été arrêté, on comprendra pourquoi en lisant le livre. Et le juge va demander de l'aide à cet ami, ce narrateur, pour comprendre ce qui s'est passé. Pour expliquer le contenu de ce livre de poèmes, le narrateur va donc raconter au juge l'histoire d'amour qu'il va y avoir entre Vasco et Tina. Alors vous allez voir que ça va être une ombrageuse histoire d'amour, il va se passer bien des choses, qui vont vivre cette histoire d'amour de manière passionnée et extrême, à un tel point que le narrateur, qui est ami avec les deux personnages, va devenir témoin étonné, gêné, choqué, surpris, mais en tout cas toujours très amical de cette relation qui est intransigeante au possible. Donc il aurait pu nous raconter une énième histoire d'amour, François-Henri Désérable. Mais non. Son tour de force dans ce livre-là, ça va être surtout d'arriver à nous parler de poésie. Et il va d'ailleurs expliquer ce coup de foudre entre Vasco et Tina, au moment où Vasco, qui est conservateur à la BNF, bibliothécaire, conservateur, va proposer pour séduire Tina de lui montrer des exemplaires originaux, non pas des moindres s'il vous plaît, mais d'Une saison en enfer et des poèmes saturniens. Ah, à partir de là, effectivement, la belle Tina ne pourra que lui tomber dans les bras. Forcément, elle va lui tomber dans les bras, mais ça ne va pas être simple, parce que la Tina en question, je peux vous dire qu'elle a du caractère. Elle est. Vous verrez. Ce qui est rigolo aussi, c'est que François-Henri Désérable, dans son livre, donc comme il nous parle de poésie, va y mettre des extraits de poèmes, des poèmes d'auteurs
connus et reconnus, mais aussi des poèmes écrits effectivement par Basco, donc des poèmes imaginaires. Et puis il va y mettre aussi, que je vous montre, des photos. Ça ne le gêne pas. Voilà, François-Henri Désirable de nous mettre des photos. Alors là, c'est la photo de Voltaire avec à la BNF, mais la BNF, pas, pas celle qui est le long de la Seine, là, celle qui est en plein centre de Paris, donc là, la BNF historique. C'est une photo de Voltaire avec des lunettes de plongée. Vous comprendrez pourquoi Voltaire se retrouve avec des lunettes de plongée. Voilà, on retrouve aussi le pistolet. Et il va mettre aussi la photo du pistolet, hein, sur lequel Rimbaud, avec lequel Rimbaud avait tiré sur Verlaine. Hein. Il y a des photos de correspondance entre Tina et Vasco, et une lettre d'amour qui est pleine de rouge à lèvres. Donc c'est assez amusant de la mise en page, la liberté avec la mise en page que se donne François-Henri Désirable. Vous verrez qu'il y a des photos de l'auteur, mais je ne vous dirai pas lesquelles. il va aussi raconter donc, l'histoire. Il est drôle, il a des moments qui sont assez cyniques et assez ironiques. Par exemple, lors d'une soirée chez Vasco et Tina, il va croiser un auteur qui s'est fait éditer. Mais visiblement, c'est pas un roman d'une grande qualité, puisque le second roman, il n'arrive pas à se faire éditer. Et c'est vrai que la difficulté d'un auteur, c'est pas tant le premier roman qu'on édite, mais aussi le second. Hein. D'ailleurs, nous, les libraires, on est les premiers à dire, bon, et la suite, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, François-Henri Désirable, quand il a écrit Un certain Monsieur Piquelny, au tout début, il raconte son syndrome de la page blanche. Il ne savait pas comment faire face au succès qu'il avait rencontré avec Évariste, comment il allait pouvoir assumer ce succès littéraire qu'il avait rencontré de façon aussi violente et aussi inattendue. Et là, il le raconte d'une autre façon dans ce roman. Donc c'est aussi toujours un roman sur la réflexion, sur la littérature. Qu'est-ce que c'est que d'écrire? Quelle responsabilité on a en tant qu'écrivain? Comment est-ce qu'on peut rencontrer un public, hein, et puis comment est-ce qu'avec les mots, et là il utilise la poésie, on arrive à séduire les gens, et puis quand on est un homme, à séduire une femme. C'est un roman jubilatoire. Moi, il y a des moments où j'ai gloussé toute seule sur ma banque en lisant ce livre, mais qui sait être grave, être profond. Et il y a toujours dans la plume de François-Henri Désirable une grande érudition, un peu la même qu'on trouve chez Delamo. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement brillant, hein, François-Henri Désirable. Voilà, donc je vous invite fortement à aller découvrir ce nouveau roman de François-Henri Désirable. Et là, la réflexion sur la littérature, la réflexion sur la force des mots, la réflexion sur l'engagement de l'écrivain, sur sa responsabilité, et bien c'est la connexion est toute trouvée, la logique est toute trouvée pour vous parler du roman de Mohamed Mongassar, qui vient d'avoir le bon coup. Qu'est-ce que je suis contente qu'il ait eu le Goncourt, parce que pour moi c'est un grand livre. C'est un grand livre. J'ai même pas pris de fiche, donc je vais essayer de désembrouiller ma tête. Enfin, j'ai même pas eu le temps de réviser parce que j'ai fini de le lire il n'y a pas très très longtemps. Au fur et à mesure où j'ai commencé sa lecture, au fil de sa lecture. Moi, j'ai mis un cœur tout de suite. À la 10e page, j'ai mis un cœur tout de suite sur la pile de livres à la librairie. Et je disais au lecteur, au client qui arrivait, je disais, c'est mon Goncourt. Voilà. Les 4 autres, celui-là, c'est mon Goncourt. Donc, je suis très, très contente de l'avoir lu, de l'avoir aimé et qu'il soit reconnu. Donc, c'est un roman qui est... C'est un grand roman. C'est un roman...
C'est un roman exigeant. C'est un roman exigeant. Il est brillantissime, ce jeune écrivain. Il est noir, sénégalais, il est tout jeune. On l'avait reçu à Gap aussi, juste avant le confinement, pour son roman De pure zone, chez Philippe Rey. Toujours chez Philippe Rey. Il nous avait toutes éblouies par son esprit vif, son bagage culturel, et en même temps sa simplicité à utiliser les mots pour nous raconter ce qu'il vivait et comment il voulait l'écrire. Et là, il raconte l'histoire d'un jeune écrivain sénégalais qui découvre en 2018 à Paris un livre mythique qui avait été édité en 1938. 38, juste avant la guerre, juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Le Labyrinthe de l'Inhumain. Et c'est un livre qui a connu un succès extraordinaire, à un tel point qu'on avait donné un surnom à cet écrivain, ce jeune écrivain noir, de Rimbaud Nègre. Et un jour, il va y avoir, par la critique, une remise en question du Labyrinthe de l'Inhumain, qui fait que ce livre, du coup, va chuter aussi bas qu'il était monté. Et l'auteur va disparaître. Du jour au lendemain, on n'aura plus de nouvelles de cet auteur-là. Cet auteur-là, il s'appelle Tissi, ce sont des initiales, T.C. Eliman. Et cet auteur-là disparaît. Et aujourd'hui, en 2018, Diegan, qui a donc entre les mains, a eu la chance de lire un des rares exemplaires du Labyrinthe de l'Inhumain, va partir à la recherche de cet écrivain-là. Et ça va être un roman foisonnant. C'est un roman, moi, c'est ces romans que je qualifie de roman Marguerite. C'est-à-dire qu'on part avec lui et on va découvrir un morceau d'histoire et on va revenir à Diegan. On va repartir avec ce qu'il apprend sur une autre partie de l'histoire. Et on va revenir à Diegan et Eliman, etc. C'est vraiment des romans qui, par des boucles successives, vont nous faire découvrir, par des boucles successives, sans nous perdre, dans ce foisonnement, vont nous faire découvrir l'histoire de T.C. Eliman, de cet écrivain africain de l'époque. Il aura traversé l'histoire, donc effectivement, donc de la Seconde Guerre jusqu'à nos jours. Il aura traversé des continents, il aura traversé des cultures, et il va... Oh non, je ne peux pas vous le dévoiler. Je ne peux pas vous dire ce qu'il va devenir. Ce n'est pas possible. Vous allez partir, comme Diegan, sur les traces de T.C. Eliman dans ce roman. C'est une écriture remarquable. Alors, je dis exigeant parce que on entend toute, ça se dit, africanité de l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a toute cette oralité, toute cette capacité de raconter une histoire qui, des fois, peut on a l'impression qui va nous perdre. Parce que celui qui prend la parole, vous verrez, il y a plusieurs personnages qui prennent la parole, mais il ne dit jamais qui c'est qui parle. Il faut se rappeler à ce moment, mais vers qui est allé Diegan pour aller chercher les compléments d'information. Donc c'est foisonnant, c'est passionnant, c'est palpitant, on vibre à comprendre, à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi Eliman a disparu? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et on a vraiment envie de savoir. Et les femmes, il y a des personnages féminins qui sont forts, qui sont remarquables et qui vont aider Diegan à
continuer cette aventure, cette découverte, il y a la belle Siga, Eddie la sulfureuse Siga, qui détient bien des secrets à propos de cette histoire. Et puis, il y a une photojournaliste qui s'appelle Aïcha, qui, elle, va ancrer l'Iman dans le terrain, dans la réalité de l'époque d'aujourd'hui, parce qu'elle va témoigner de ce qui se passe. Et voilà, c'est un très beau texte. Et au-delà, en plus de ça, ça nous interpelle sur qu'est-ce que c'est que d'être un auteur africain et d'écrire en français. Ces auteurs qui écrivent, ces auteurs étrangers qui écrivent en français. La force de cette francophonie qui représente la richesse de notre paysage littéraire d'aujourd'hui. Voilà. Sarre. Voilà. C'était le dernier. Je vous ai laissé, je vais quand même pour clôturer. Je vous ai laissé deux petites brochures de chez Gallimard, puisqu'en fait, ils nous envoient tous les trois mois, un par trimestre, ou pour tous les deux mois. Donc là, vous aurez le bulletin sur la rentrée littéraire. Et puis là, c'est souvent celui de fin d'année, c'est sur les beaux livres, souvent sur les beaux livres. Peut-être que vous, à Noël, je ne sais pas comment vous faites, dans vos médiathèques, peut-être que vous les mettez plus en avant, mais c'est vrai que nous, il faut savoir que dans nos librairies, on croule sous les beaux livres. Voilà. Donc ça, je vous ai amené ça. Je tenais aussi quand même à vous dire que l'olivier, parce que je n'en ai pas pris, mais j'aurais pu en prendre, fête ses 30 ans. Et ils se sont amusés, et merci, à ressortir leurs pépites, leurs auteurs phares et leurs pépites. Ils ont relooké la couverture de l'olivier, leur couverture de poche, et ils les ont relookés. Et vraiment, c'est des titres qui deviennent du fond. C'est vraiment des titres, moi, que je vous invite à remettre en avant sur vos tables, parce qu'il y a des grands écrivains français et ou étrangers, hein. Agnès de Sarthe, Salter, Appelfeld, Franzen, enfin, tous ces gens-là qui ont été découverts par Olivier Cohen, hein, donc le directeur des éditions de l'Olivier. Et là, donc, ils fêtent leurs 30 ans. Moi, j'en ai qu'une, mais vous pouvez aller sur leur site. Peut-être que vous pouvez aller sur le site des éditions de l'Olivier. Et on avait... pareil, on les avait invités à Gap, on avait fêté les 20 ans des éditions de l'Olivier avec eux, on avait fait une belle exposition. Et Olivier Cohen était venu et nous avait parlé avec passion de son travail d'éditeur. Parce que si tous ces livres sont là, c'est aussi grâce à du travail passionné de recherche, défrichage de ces éditeurs-là. Voilà, donc l'Olivier. Et puis donc, le monde entier qui fête ses 90 ans. Si Nadine, bah, tu veux faire aussi, faire passer, photocopier, je ne sais pas, cette petite brochure. Il y a une très belle interview au tout début, un entretien à trois voix entre Antoine Gallimard, Alban Cerisier et Marie-Pierre Grâce-Dieu, qui hélas a quitté depuis peu les éditions Gallimard pour créer, elle, à son tour, une maison d'édition qui s'appelle Le Bruit du Monde et qui est basée à Marseille. Donc elle aussi a décidé de quitter la capitale pour faire vivre la province. Donc ça, je vous invite à le lire. Et puis ils ont mis pour eux leur bibliothèque idéale. Et j'aurais pu vous parler sur Gallimard du monde entier, il ne fait pas partie de la rentrée littéraire, mais d'un autre jeune écrivain qui s'appelle Océane Vong, avec un très beau livre qui s'appelle « Un bref instant de splendeur », où là aussi, dans son écriture, on entend le poète qu'il est. Parce qu'à la base, il écrit, Océane Vong est poète, il écrit tout d'abord de la poésie. Et il a décidé de se mettre à la prose avec « Un bref instant de splendeur », mais on entend toute la poésie, les mots chantent, il y a des rimes, c'est lumineux, c'est un très beau roman. Pareil, que je vous invite à aller découvrir. Et puis j'aurais pu vous parler de Graham Swift aussi, hein, qui est sorti aussi
en janvier 2021 avec Le Grand Jeu. Voilà, c'est celui qui a écrit Le Dimanche des Mères. Mm-hmm. Voilà, c'est ça, ça vous dit voilà, quelque chose. Donc là, c'est des grands écrivains. Et puis, voilà, ils font aussi un remarquable travail de retraduction. Chez Gallimard du monde entier. Donc il ressort des grands auteurs traduits avec les mots du jour, et ça redonne une profondeur. On peut à nouveau les découvrir, que ce soit Karen Blixen, Kerouac, Joyce, Mishima, Calvino, voilà, j'en oublie. Voilà. Alors ça c'est pareil, hein, vous pouvez, je pense, aller. Le site des éditions Gallimard est pas mal fait. Voilà. On va rester sur des notes positives parce que j'ai eu quelques coups de griffe, mais on en a tous. Ben, il en faut, hein, on n'est pas obligé de tout aimer. Hein. Enfin, moi, quand ça ne me plaît pas, au bout de trois pages, j'arrête et puis je passe à autre chose. Hein. Il y a tellement d'autres choses à lire. En tout cas, une rentrée littéraire foisonnante encore à nouveau. Hein. Donc je redis Noël avant l'heure. Et puis j'espère que je vous ai donné envie. Merci à vous.